plein de choses, mais je me lassais vite, que ce soit la peinture, la couture, tout ça. En fait, une fois que j'avais appris la technique, je ne voyais plus trop l'intérêt juste de faire un objet. Et quand je suis arrivée à Dijon, quand j'ai fait mes études, j'ai découvert un petit festival qui avait lieu là-bas et plein de gens se déguisaient justement. Pour moi, c'était incroyable. L'année suivante, j'ai sorti mon premier costume, je l'ai porté et ça m'a apporté énormément de force. C'est comme, comme tout le monde disait en fait, on se sent beaucoup plus en confiance et moi ça m'a énormément permis de me libérer de ma timidité. Avant j'étais pas capable de discuter avec quelqu'un, de le regarder dans les yeux ou même de décrocher mon téléphone, donc c'était juste une catastrophe. Et bah, aujourd'hui je suis là, je suis sur scène, je suis en train de parler au micro devant des gens. Ou alors je monte sur scène pour participer à des concours avec énormément de public. Et ça va en fait, je suis toujours un peu timide, mais ça m'a apporté énormément là-dessus. Après pareil, j'ai appris énormément de choses, j'ai beaucoup de connaissances maintenant sur le craft, j'en ai encore énormément à apprendre, c'est infini en fait. Et on rencontre énormément de personnes incroyables aussi. Et c'est aussi ça, c'est les rencontres en cosplay, ça vous permet d'avoir une communauté qui est précieuse en fait. Tout le monde est positif et bienveillant. Et c'est ça aussi qui est bien avec la communauté cosplay. Merci. Justement, j'avais une question comme ça, je me suis dit, bon, je ne veux pas trop respecter mon programme. C'était pour savoir quels sont les personnages qui vous ont le plus inspiré, alors personnages hein, de tout type, thématique, même jeux vidéo, et qui vous a permis de faire du cosplay. Du coup, on va commencer par toi. Du coup, on commence par moi. C'est ça. Le tout premier, c'était Anayo de Love Live, donc un petit manga d'idol japonaise, voilà, sans prétention. Et ce personnage-là était tout pipou, tout timide, et ça m'a permis justement de me rapprocher d'un personnage qui était un peu comme mon caractère, et du coup plus facile à incarner. Et après, y a des personnages très forts, comme par exemple le dernier que j'ai fait, Artorias, donc de Dark Souls, qui a une histoire vraiment triste, vraiment prenante, et qui est à l'opposé de tout ça en fait. Je sais pas si... Si certains connaissent... Non, j'ai bien répondu. Ah oui, très bien répondu, et on peut l'applaudir aussi pour ça. Toute inspiration est bonne à prendre en tous les cas. Donc, Gaël. Moi, mon tout premier cosplay, ça a été mon jeu favori, Aladdin de World of Warcraft. Et en fait, ça m'a permis de tempérament très timide aussi, donc je rejoins ce que dit Cutie. De me sentir une femme guerrière et de pouvoir assumer vraiment quelque chose que j'avais en moi et en fait que je n'osais pas montrer. Et c'est vraiment le premier jeu qui m'a vraiment influencée au niveau du cosplay, qui m'a permis vraiment de m'évader. Et après j'ai pu faire... Après j'ai fait beaucoup de cosplay Disney, j'incarne Cendrillon et tout, et ça c'est beaucoup pour les petits enfants et j'adore voir les yeux pétiller quand ils arrivent à voir une petite princesse passer. Et c'est génial. C'est génial aussi d'incarner des personnages autant opposés. Parce qu'on peut faire vraiment des rôles totalement différents et c'est vraiment très agréable. Merci. Pour moi, ça a commencé avec les personnages de la web-série Noob. En fin de compte, c'était leur... ils ont... Un délire qui m'a aussi confortée dans le fait de faire du cosplay, c'est-à-dire j'ai voulu faire ça pour le fun avec mon fils. Et quelque part, si vous connaissez un petit peu l'équipe de Noob, c'est des personnes qui m'ont appris, entre guillemets, par leur détermination, vous n'avez pas besoin d'être professionnel pour faire quelque chose de bien. Vous n'avez pas besoin de formation, d'école ou de quelqu'un qui vous guide pour vous exprimer, pour faire des choses qui vous plaisent et pourquoi pas réussir. Et en fin de compte, j'ai pris cette attitude et j'ai un peu couru avec. Donc il y a eu, j'en suis je crois à 5 ou 6 personnages de cet univers et j'ai réussi à pousser le délire jusqu'à être invité à participer à la série en 2024. Donc c'est les Noobs. Bravo. Alors petite parenthèse, excuse-moi de te couper, il y avait une personne avec nous ma chère Émilie qui était présente à Saint-Brieuc, c'était Johanna du Val des Noobs. Elle est géniale. Voilà, on a
qu'on a invité. Bon, ben, c'est devenu une amie en fait au fur et à mesure des années de salon. Et oui, je confirme qu'ils sont vraiment fantastiques. J'ai eu la chance de leur faire leur conférence il n'y a pas si longtemps que ça à Marseille. Je leur avais fait un petit montage vidéo et franchement, c'était vraiment cool. Et de toute façon, voilà, c'est des personnes qui ne cessent de progresser, qui ne cessent de faire des choses. Enfin, c'est un peu incroyable quand même. Et puis surtout, c'est une grande famille en fait. Ouais, voilà, ce principe qu'on peut réussir dans quelque chose en étant humain, en restant soi-même et sans pour autant, on va dire, se conformer à ce que font les autres. À l'époque, la web-série, ben, ça n'allait pas mener à un multi-univers plein de BD et de films, de conventions, de choses magnifiques. Et quelque part, cet état d'esprit où on peut faire les choses entre amis, on peut faire les choses pour se faire plaisir et partager avec les autres. Moi j'ai vraiment aimé cet état d'esprit là et j'ai pu mon premier vrai armure complète c'était Ivy et ça m'a autant fait plaisir de le porter, d'être reconnue, de voir les fans que de voir l'actrice être la première à cosplayer une actrice que quelqu'un, en fin de compte c'est des monsieur madame tout le monde et j'ai toujours été tellement bien accueillie donc pour moi c'est les noobs. Merci. Voilà, pour tous celles et ceux qui sont intéressés, voilà, enfin, sortez de la timidité, n'hésitez pas à poser des questions et à aller de l'avant. Voilà, voilà. Allez au et bout je pense que il y avait une chanson comme ça, je ne sais pas si c'est qui l'a chantée. C'est mais... ça, et je, voilà. Et je vais reparler sous le contrôle de Cutie, qui disait précédemment voilà, ben, que tu étais timide un peu à la base et que de fil en aiguille, ben, tu as réussi à tes objectifs, et si ce n'est même encore mieux que tes objectifs, et ben, franchement, bravo, bravo à tous. Je voulais passer inaperçu, c'est foutu. Hop. Ah moi je le vois plus perso hein. Non, elle est cachée. Oh là là. Je sais même plus où il est. Donc ouais, j'ai commencé avec le personnage de Captain Marvel, mais moi je veux rester focalisée sur ce personnage-là, Carol Danvers. Et en fait, mon objectif est de et d'avoir tous les costumes de Captain Marvel version film. On verra après pour les versions comics au fur et à mesure et créer des costumes originaux, voilà, parce que parfois se concentrer essentiellement sur un personnage c'est assez rare et ce personnage là me parle bien. J'ai la chance d'avoir certains traits physiques qui lui ressemblent qui fait qu'aujourd'hui en ayant commencé il y a 3 ans avec un seul cosplay, je suis déjà identifié comme le sosie officiel de Captain Marvel en France. D'ailleurs, on le voit sur Google, quand on tape sosie Captain Marvel, ben on trouve sa photo. Donc voilà. Vous pouvez même essayer dès maintenant, hein, pour ceux qui sont curieux. On a vu tout de suite les curieux, là, regarde devant. Voilà, vous tapez sosie Captain Marvel France. Et vous pouvez la voir directement. Vous mettez images et vous allez voir ma photo à côté de celle de Brie Larson. Voilà. C'est assez étonnant parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est une belle récompense, enfin, c'est sympathique. Puis c'est surtout en fait les rencontres. Derrière la partie cosplay, costume et images bienveillantes et tout ce qu'on vient de dire, le fait de pouvoir aussi, ce qui me touche et ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir utiliser cette partie de cosplay pour des... Ouais, c'est ça. Pour des œuvres caritatives. Et je vous donne un exemple, la semaine prochaine je vais à Monaco pour le Trot and Roll, j'ai été contactée pour une association qui lutte contre un cancer pédiatrique très particulier. L'année dernière ils ont récolté 100 000 euros en un week-end et là je suis invitée par la principauté et je passais 3 jours dans un palace avec 3 autres cosplayers de dingue et on va passer un week-end de folie. Mais voilà, c'est pour une belle cause. Et moi, étant maman, forcément, c'est des choses qui me touchent et c'est des choses qui me parlent. Et ça, c'est important de le mettre en avant parce qu'on est tous là, en fait. On fait tous de l'événementiel, on fait tous des conventions, mais on fait tous beaucoup de caritatifs et on n'en parle pas forcément. Mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Voilà. Et ça, c'est très important à souligner. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors moi, pour ma part, bon, moi, j'avais commencé c'était peut-être en 2007, donc ça date un petit peu, hein, en Jack Sparrow. Et j'ai commencé à sortir comme ça dans un supermarché.
Voilà, j'ai mis 20 minutes avant de sortir de la voiture, mais bon, ça s'est fait. Et ça s'est fini après dans les studios de TF1 pour la soirée des sosies, l'émission qu'il y avait à l'époque. Et enfin voilà, je suis passé par pas mal d'animations, de spectacles, des soirées en club, en bar, tout ça, et c'était juste incroyable. Et c'est vrai que bah, après, les événements ont fait que j'avais un peu mis tout ça de côté. Et là, à force de filmer les cosplays, j'ai voulu reprendre vraiment Star-Lord. Ça faisait plus d'un an que ça me démangeait de faire du Marvel. Et bah, après avoir rencontré par exemple Emily ou même Carlos plus récemment, je me suis dit, allez, faut que je me lance aussi. Et voilà, c'était un peu le déclic. Et c'est un personnage là, que j'adore. Et là, dans l'été, j'ai craqué encore un peu plus parce que maintenant, je suis parti aussi sur du cosplay de SNK. Donc, où d'ailleurs, je serai en Levi dès demain. Il y a Levi, à aussi Erwin, ceux qui connaissent. Hein, et puis, bien entendu, Hélène, saison 4. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais on voit de plus en plus de personnes, et même là autour de nous, qui se cosplayent en SNK, Demon Slayer, Tokyo Revenger. Comment tu peux expliquer cela ? Bah, je pense déjà il y a une hype déjà sur l'animé et je pense que voilà les personnages ont des traits assez marquants, ont un caractère quand même assez fort et je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être envie de s'évader un petit peu en incarnant ces personnages. Moi je pense, enfin c'est ce que je suppose aussi. Moi je sais que voilà par exemple Levi, c'était pas du tout prévu que je le fasse et puis en fait après avoir regardé l'animé, je me suis dit, ouais, il est quand même badass. Et bah, du coup, ouais, je me suis dit, allez, je vais tenter moi aussi, quoi. Ouais. Ouais, mais il est badass quand même. Très maniaque et badass, quoi. Bon, pour moi, il y a eu deux déclics. Le premier, c'est quand j'étais petit, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Shaolin Zodiac. Et en fait, j'ai dit ça à ma mère, je sais pas qu'est-ce qu'il fait monsieur, mais je veux m'habiller comme lui. Et en fait, elle m'a dit, bah, écoute, il y a un truc qui s'appelle arts martiaux, je vais t'inscrire et tu vas commencer à t'habiller comme lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert les arts martiaux, le sport. Et j'étais très content au départ de juste m'habiller comme lui et faire semblant avec mon kimono. Mais après, ça m'a donné une discipline et je me suis dit, c'est pas si mal. Et de toute manière, j'adore bien incarner le personnage. Donc je jouais à la maison, je n'enlevais jamais mon kimono et je courais à droite à gauche avec ces petits kimonos. Le deuxième déclic, c'était effectivement Marvel, Iron Man, quand ça sortit le film. Et puis, comme je viens de Mexique, je l'ai dit tout à l'heure, là-bas, on fait beaucoup de Halloween. Donc, on part en boîte, en soirée. Et puis, comme j'habitais à la frontière des États-Unis au Mexique, donc j'allais en Amérique aussi. Et bah, à l'époque, je n'avais pas trop les moyens. Donc, c'est ce que je faisais. Je prenais à la déchette des TV, des télévisions, des radios, et donc je récupérais toutes les cartes mères, je me faisais des bras robotiques, entre guillemets, et c'est comme ça que j'ai commencé à incarner en 2013-14 Iron Man. Ensuite, quand je suis arrivé en France, j'ai fini mes études et compagnie, je me suis fait des imprimantes 3D, et en 2020, après avoir fini Animal Crossing pour la troisième fois, je me suis dit, il faut que je m'en occupe à quelque chose de qui me plaisent et donc je suis retourné sur Iron Man et après un an de travail j'ai fini l'armure que je vais porter tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas évident mais voilà mes deux grandes inspirations c'est Son Goku et Tony Stark. Bravo. Alors une petite parenthèse puisque c'est vrai je l'avais oublié à Saint-Brieuc mais là j'ai pas oublié, y a-t-il des personnes dans le public qui auraient des questions à poser sur nos invités? Alors là, tu sais, dans ces cas-là, il y a deux choix. Soit ils sont calmes et intrigués, soit je passe à une autre question. Voilà. Ah. Alors, oui, une petite parenthèse, ne soyez pas timide, justement. Si vous avez des questions à poser, éventuellement, ben, n'hésitez pas à venir vers nous. Je vous passe le micro. Ouais, directement. Alors peut-être ça va être la source d'inspiration. Bah, moi, j'avais une question pour Carlos. Il a été au festival avec... au concert de Relsan, ouais. Il a essayé de passer son casque, alors je voudrais qu'il nous raconte l'anecdote, comment il a fait pour se faire repérer dans le public, etc. Voilà, que tu nous racontes le moment, quoi, même si je l'ai posé tout à l'heure. Merci. Bah oui, c'est vrai que la question c'était que j'ai rencontré Relsan aux Vieilles Charrues. Alors comme j'ai dit
que j'étais inspiré par Dragon Ball Z. En parallèle, je voyais beaucoup de Chevaliers de Zodiac. Et quand je suis arrivé en France en 2016-2017, je parlais pas français. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est d'écouter la musique, écrire les paroles et essayer de comprendre. Et donc, un des artistes que j'ai rencontré dans tout le début, c'était Aurel San. Donc ça m'a fait écho et je dis, il est vraiment bien. J'aimais bien ses paroles. Et j'ai trouvé la vidéo de Ils sont cool, où il se costumise comme Saint Seiya. Et donc je me suis dit, c'est lui quoi. Et j'avais jamais eu l'occasion d'aller au festival ou quoi que ce soit. Et puis là, cet été, ma compagne vient et me dit, je t'ai pris des billets pour aller voir Aurel San. Et c'est là où je me suis dit, c'est mon opportunité. J'aimerais bien l'incarner. Et donc j'ai passé 2 mois à dessiner le costume de Saint Seiya. Et le jour J, je suis allé et puis il fait 35 degrés au Vieille Charrue à Carré. Mais ça a été parce que je me suis mis devant, je suis arrivé 4 heures avant, je n'ai pas bougé et à la fin, je n'ai pas monté sur scène, mais il m'a repéré. Il a essayé de mettre mon casque et à la fin du concert, il m'a fait un petit geste. Donc moi, je trouve que ça vaut la peine. Quoi. D'ailleurs, on a tous vu cette vidéo. Ah là là, t'étais mais complètement. Ouais, j'étais fou quoi. Il est complètement sur YouTube. Fou. Ouais, voilà. C'était incroyable. N'hésitez pas justement, ce sera ma prochaine question, à revoir un peu ce moment fun que t'as passé. Franchement, je t'ai pas reconnu d'ailleurs à ce moment-là. Je t'ai jamais vu autant fan de quelqu'un. Crier à ce moment-là. C'est sûr. Je ne pensais pas capable. Alors, il nous reste 8 minutes. 8 minutes, donc vous allez avoir une petite minute chacun, parce que ça va être assez rapide, pour répondre à 2 questions en une. Donc quels sont le message que vous voulez faire passer aux parents et enfants combinés, et où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Ok, les conseils c'est allez-y, n'importe vos moyens, vos outils. Peu importe, vous pouvez commencer à la déchette, au carton, au quoi que ce soit, et vraiment faites-vous plaisir et essayez de faire voler l'imagination et lancez-vous. Pour les réseaux sociaux, je suis comme @carlos3dprint partout. Je suis sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Je suis pas mal présent sur Instagram, TikTok et YouTube. Je fais surtout des tutoriels. Et vous allez trouver des vidéos en espagnol, anglais, français, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui l'algorithme. Donc n'hésitez pas, et je suis surtout ouvert à tout le monde qui a des questions, conseils ou autres. Voilà. Merci à toi Carlos. Alors moi je dirais, si y a un personnage qui vous plaît, que vous avez envie d'incarner, même si vous n'avez aucune ressemblance ou quoi que ce soit, allez-y. Foncez, si vous voulez vraiment l'incarner, faites-le. Kiffez votre moment et craftez avec ce que vous avez sous la main. Même si vous n'avez pas un truc incroyable, super cher, vraiment réaliste, prenez plaisir à le faire. Le moment, le plus important, c'est vraiment de prendre le plaisir de faire le cosplay et d'être cosplayé et d'incarner le personnage. Je pense que c'est le plus important. Donc, laissez les préjugés, tout ça, et puis foncez, profitez et kiffez votre moment. Merci. Et après, au niveau, pour les réseaux sociaux, je suis avant tout, vous tapez Géro de Japan sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà, je suis un peu partout. Hein. Donc vous pourrez me retrouver assez facilement. Et sinon, après, moi j'ai un stand aussi dans l'autre hall, de l'autre côté, en face des... Bon, forcément, allez-y, foncez, quoi, voilà, je vais reprendre un peu 1, 2, 3, jamais 203. Non, surtout, je voudrais mettre quand même un petit peu un bémol, vous mettre un petit peu en garde par rapport au choix du cosplay. C'est-à-dire que dans les animés, dans les mangas, il y a quand même des cosplays qui sont pas faciles à incarner. Il y a beaucoup de jeunes qui choisissent de faire du cosplay. Soyez vigilants. Même si on est là, la Japan Pump Show, on a la chance, c'est une convention qui est relativement bienveillante, où il n'y a pas de jugement, tout le monde se côtoie d'une bonne manière, mais il y a quand même des cosplays avec
très peu de vêtements. Quand c'est pour des jeunes, ben voilà, faut faire quand même un petit peu attention. C'est un petit peu difficile, voilà, de pouvoir se mettre en avant de façon peut-être trop dénudée quand on a que 14 ans. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Attention, vous avez le choix, mais il faut bien avoir conscience de l'image qu'on peut renvoyer aussi. Il y a le choix du cosplay, il y a les valeurs qui incarnent ce cosplay-là, ce personnage-là, et comment vous, vous l'incarnez. Rien ne vous empêche de vous inspirer ce cosplay-là et de pouvoir en faire une version un petit peu différente. Voilà, tout peut être ouvert. Mais là, c'est aussi un peu la maman qui parle parce que ben, ça peut faire peur aux parents. Ça, quand des fois on dit « mais tu vas revêtir ce truc-là, t'es sûr ?» Mais pourquoi, comment ? Et tout est une histoire de discussion. Parce que il faut aussi faire attention. Il y a des fois des personnes un peu malsaines qui peuvent faire croire des choses par rapport au cosplay. Voilà, alors, c'est juste une petite mise en garde, mais c'est marrant. Je voulais compléter avec toi, notamment sur les réseaux sociaux, et là je m'adresse directement aux parents, de vraiment prendre garde, parce que même dans le milieu du cosplay, voilà, enfin, nous on a la chance d'avoir beaucoup d'abonnés. Des fois il y a des... Heureusement, à 98%, il y a des gens, des personnes bienveillantes. Mais des fois, par jalousie, par méchanceté, il y a des personnes qui peuvent insulter, qui peuvent humilier sur les réseaux sociaux. C'est très dur quand de façon lâche. Et surtout quand on grandit, quand on évolue. Et généralement, voilà, moi, ce que je dis à ces personnes qui évoluent et qui continuent de progresser, c'est de ne pas les écouter. Parce qu'au contraire, moi, si aujourd'hui j'écoutais toutes les personnes qui m'ont insulté parce que je faisais l'animation, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, au contraire, c'est peut-être surtout bon signe en fait. Si on vous déteste, c'est bon signe. C'est très bon signe. Vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, et bah, là, nous, bon, on a un certain âge, mais on va parler surtout pour les teenagers, pour les plus jeunes, voilà, de continuer sa passion, de ne pas les écouter, ça ne sert à rien. À un moment donné, ce genre de bêtises s'arrête, sachez-le. Et que voilà. Mais par contre, les parents aussi, qu'il y ait quand même un monopole, et que les enfants aussi et les adolescents en parlent aux parents. Oui. Parce que voilà, on sait jamais. Il faut juste être un peu vigilant. Voilà. Tout simplement. Mais après, on va franchement, foncer et tenter le coup. Voilà. Vous risquez rien. Et si en plus vous faites ça à plusieurs, c'est encore mieux. Il y a l'effet groupe. Et vous passez juste un bon moment, voilà. Vous vous évadez. C'est un monde où on a envie de faire briller les yeux des gens. C'est ça, c'est ce monde de partage-là. Quand on craft sur un super costume, tout le monde veut partager ça. C'est pouvoir après le partager, le montrer aux gens et se dire, ben, voilà, partager un petit peu de rêve. On sait qu'on n'est pas l'actrice principale, on sait qu'on tout ça, ça c'est pas un souci. Mais de partager un petit peu ce bout de rêve. Et puis sinon, question réseau, vous pouvez me trouver, du coup. Bah, vous me trouvez de partout. D'accord. Voilà. J'ai un beeper, je vais vous donner à tous un beeper. Vous pouvez m'appeler comme Dominic Fury, en fait. Ok. Voilà. Vous me trouvez sous le nom de Captain Marvel Evans, principalement sur Instagram.